m'appelle Mohamed Chikaoui, je suis le directeur de l'EHPAD Hector Berlioz appartenant au groupe SOS Senior depuis mars 2020. On a été un établissement test. On est arrivé à 10 ans, c'était le premier établissement senior du groupe. Avec des personnes qui vieillissaient, mais des personnes plutôt qui avaient des problèmes psychologiques. Des vieillissants, mais pas comme dans les autres EHPAD. C'est un autre projet, c'est un établissement qui est différent. Les populations sont mixtes, que ce soit dans les salariés et dans les résidents aussi. Je suis là depuis 10 ans, j'ai eu beaucoup d'occasions de pouvoir partir, mais on s'y attache. On a des résidents qui viennent de partout, des anciens travailleurs immigrés qui ne pensaient pas finir dans un EHPAD. Avant que ce soit un engagement, c'est une vocation. On fait ce métier par vocation et par passion. Sinon, on ne le fait pas. On est là pour accompagner nos aînés à travers différentes thématiques, notamment le soin pour la dépendance, mais surtout pour le côté vie sociale qui est un point important pour moi et pour mes résidents. Dans cet établissement, on vit différemment. Par exemple, on fait des barbecues, des smoothies géants en été. On n'est pas forcément en tenue quand il fait chaud. Il n'y a pas un cadre qui dit « c'est comme ça et pas autrement ». On s'adapte vraiment à nos patients. On s'adapte à leurs envies, à leurs besoins, qui sont différents pour chacun. On est une équipe assez dynamique et ambitieuse. On ne se limite pas en termes de projets ou d'actions sur l'établissement. Et on a une vision, c'est aussi une vision du groupe totalement hybride, où on veut que l'EHPAD devienne le domicile du résident en gommant un maximum le côté médical et proposer un maximum de choses pour que les résidents s'approprient la maison.